Nous voilà fin prêts pour le tout dernier voyage dans le monde d'Asgard Wrath. Mais cette fois-ci, donc, SteamVR indique qu'on est à 80% de supersampling. Ce qui signifie. Non, c'est pas possible. Ah là, je me disais que j'arrivais plus à avoir la commande. Ce qui signifie que nous sommes en 2824 par 2160, 2760. Donc, ce qui est à peu près la résolution de l'Oculus Quest 2 poussée à 1.5 hein, dans l'Oculus Home. Donc ça devrait tourner moins bien. Mais en tout cas, c'est très beau. Hein. Alors, on va se diriger vers le troquet. Là, d'abord, je vais voir les paramètres. Paramètres, non, on va pas se mettre à 120, on va aller à 100. Hop, là, il a rien changé, c'est bien. Alors, Asgard... Merde, y a rien à l'écran qu'il est à 32 images par seconde. Non, c'est bon. Bon, on a toujours encore un petit peu de... d'aliasing, mais c'est uniquement en fait sur la... sur la partie dorée de la poutre, à côté gauche, étrange. Allez. Ils ont même des oiseaux ici, c'est pas hygiénique, hein, franchement. Alors, hop. Les gages call. Alors, ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression qu'il m'a même pas mis un 6DOF. Alors là, on voit bien ses yeux, là, ouais. Salut Gertrude, il me fait peur. Oh, l'impact est pas, ouais, pas si important que ça. Dans la zone de la mort, là. Le foyer. Alors là, par contre, ça rame, mais ça, c'est un peu plus marqué en fait. Mais ça n'a pas l'effet, l'effet prise de tête ou mot de tête qu'on peut retrouver sur le Quest 2. Si tu as de l'argent, je t'écoute. J'étais là en train de regarder en fait cette pauvre dame qui me raconte toujours la même chose. Dans l'espoir que je lui achète quoi que ce soit. Ouais. Gros Bill. Ouais, attends une seconde. C'est moi qui le roi des crapauds. Oh. Oh, ça tourne pas trop mal. Tenter ta chance. Bon, bah allez, on va repartir pour faire quelques minutes de gameplay et voir comment ça tourne réellement dans un environnement autre que ce truc super mal optimisé. Pour l'instant, c'était pas dramatique. Par rapport au... Oh là, alors là c'était le bureau. Alors, c'est le bureau de droite, donc hop, on va se recentrer. On va virer la chaise, casse-toi. Il m'a encore changé de côté. Ah, la vue. VR. Allez. Ok. Alors. Ah ouais, ouais, la pierre là, cette distance là, on voit bien en fait les interstices. Oui, et tout, et les reliefs quoi, c'est. Ouais, c'est dit. Ça en jette quoi. Et. Yeah.
Voilà, en diagonale et... Voilà. Foiré. Voilà, on a des petits moments de latence au niveau de l'affichage. Donc là, on est en train de saturer. On est combien, à combien de pourcents en fait au niveau de la carte? Seulement 48. Waouh. Très étrange. Ah, c'est trompage, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ça tourne vraiment bien. On va se mettre en observation divine. Et cette connerie qui est en 3DOF parce que c'est de l'AVR, donc ça démarre un peu comme ça veut, quoi. C'est ça qui est vraiment chouette. Hein. Ah, mais il y a un mur invisible, je peux pas avancer là. Ah, c'est la tortue, sérieux. Et hop, je viens de cogner un truc et pourtant je m'étais éloigné. Oh, ça me gave. Une bouteille de flotte. Ok. L'escalier est magique. Hop. Alors là, c'était carrément aussi magique puisqu'il n'y a pas trop eu de temps de chargement. Ok. Ouais. C'est tout ce dont vous êtes capable. De repro, tout va bien. Et voilà, vous êtes le gagnant, messieurs, de notre concours. 3 haches dans la gueule. Hop. Et 2. Oh, il a esquivé. J'abreuverai la terre du sang des serviteurs de tir. T'as entendu ce qu'a dit la dame? Voilà, saigne. Ok, alors vue divine. Ouais, avec cette résolution là, franchement, toutes les vagues là. C'est bigrement impressionnant. Bonjour madame, hop là. Je vous attrape, je vous le lâche. C'est magnifique. Ça va, tout se passe bien. Ah, la mouette. Bon, bah voilà. C'était assez concluant. Alors maintenant, on va passer avec le réglage max. On quitte, yes. Par contre, ça a une influence dans le
Là, en ce moment même, ça rame. Ça rame davantage. Enfin, ça rame pas habituellement, il me semble, dans des loadings. Allez, barbe-truc. On continue à ne jamais progresser. Je sais pas si en fonction de la progression dans le jeu, les indications qu'on a ici, durant les temps de chargement diffèrent. Je l'espère, parce que s'il raconte tout le temps la même chose durant tout le jeu, ça doit être quelque peu ennuyant, surtout si on n'arrête pas de bencher. Alors, bon, là par contre, voilà, là ça se voit. J'ai que 4,2 de repro, mais la main. Ah ouais, c'est pas la fête. Mais ça rame pas. Ça ne rame pas, c'est encore plus beau. Au niveau de la finesse du tronc, des feuilles et des textures en fait sur le rocher. Ouais, c'est magnifique. Hop, on va partir à la maison des dieux. Toc toc. Rage ennemi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre en rage un ennemi? Le meilleur moyen de remplir la jauge de rage d'un ennemi. On veut pas. Notre jauge de rage. Mais non, moi que ce soit une erreur de traduction. Plus vous parez, plus vous bloquez leurs attaques et plus ils sont en colère. Bah du coup, qu'est-ce qu'on y gagne? Bah non, ça a pas l'air de changer en termes de fluidité. Si là, ouais. Hop, on va repartir en arrière. Ouais, non, c'est pas cool du tout, là. Là, c'est pas bon. Ça met que 4,5 de repro, mais... Donc, on peut l'attraper comme ça, mais dès lors qu'on la lance, on peut pas. Je vais quand même rester... Avec la même main. Allez. Ah, bah, trop loin, là. C'est un peu foiré, hein. Mais toi... Ah, je veux le gros morceau de pain. Moi, je peux pas, d'accord. Eh, je peux peut-être manger. Oui. Ah ouais. Exactement. Non, je peux pas. Ah là, c'est vraiment pas bon. Ça met que 4-6 de repro, mais... Pff, là, c'est moyennement supportable. Effet colimaçon assuré. Hein. Par contre, ces tatouages, j'en les vois vachement bien. Alors, j'ai retrouvé des biens rares de contrées lointaines. Si tu as de l'argent. Waouh. En avant, pars accomplir ta quête. Ouais. Tant pis. Alors, tu as envie de tenter ta chance? Va et termine tes benches une fois pour toutes sur Asgard Wrath. L'armure runique ne bloque pas les dégâts infligés par les altérations d'état poison. État poison. État électrocution. Ils ont dû traduire ça, effectivement, à l'arrache. Hein. Alors. C'est encore plus impressionnant au niveau de cette rune gigantesque.
Et en jeu, ça rame pas. Prends lâche à la dame. Allez, oh ma merde alors. Non, énorme. Non, oh, ça taxe pas le GPU. Je suis à combien là? 52% seulement. Là par contre. Ça se ressent sur le graphique et ça se ressent en fait devant nos yeux, c'est pas agréable. Mais non mais t'es gentil là, je prends... Voilà. Allez hop. Voilà. Vous n'êtes que des lâches. Voilà qui est chose faite. Allez, un peu. Hop. Ouais, oh, ça va là. Non mais... Oh, j'ai pas bu d'hydromel et je peux pas en mettre une. Jolie esquive. Voilà. On va voir si tu peux venir. Ah oui, tu peux venir avec nous. Tu seras le compagnon idéal. Pour accomplir notre quête de vengeance. Oh, 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 oh. Des ennemis à la hauteur. C'était quoi l'impact? Encore le chien assis. Génial. C'est tout ce dont vous êtes capable. Il n'y a personne derrière, j'entends personne grogner. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, il faut arrêter, là. Comment qu'elles sont gratuites, les haches. Oh. J'abreuverai la terre du sang des serviteurs de tir. Ouais, bon, s'il faut être à 1 mètre pour pouvoir vous toucher, ça commence à devenir gavant, là. Ah merde, mon bouclier s'est brisé. Tout comme ce zombie. Donc avec la hache, ce serait plus facile de les couper en... La hache est plus puissante que l'épée, sans rire. Oh non. C'est tout ce dont vous êtes capable. Elle est où? Elle est tombée? Elle est cassée? J'ai plus de hache? Pourtant, normalement, c'est infini, ça. Attends. Ah oui, d'accord. Il me fait un training, un entraînement pour pouvoir lancer l'épée. J'arrive pas à la lancer finalement. Ah voilà. Du sang des serviteurs de tir. Ouais, non, mais. Oh. Wow. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est relativement inutile hein, comme truc. Je vais y arriver. Bon, j'y arriverai pas. Allez. Plus de hache. Voilà.
Ah, mais ça tombe vraiment bien. Et on vérifie qu'il n'y a pas de soucis au niveau des trucs. Non, épique, épique, élevé, 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 épique, 120%. Plus la résolution Steam. Hop, si j'arrive à trouver le bouton. Qui est bien en 2824 par 2760. On repart, s'il vous plaît, on quitte. Voilà. Alors. Tu t'es barré à temps. On peut pas faire de fusion. Ah oui, là on peut la. La bouteille non, mais le requin on peut. Ok. Bon, finito, terminette. Bon bah ça tourne bien mieux que sur le Quest 2, encore une fois. DisplayPort. C'est quand même mieux apparemment que l'Oculus Link à 2 balles. Merci Oculus. Et à Facebook et à John Carmack de nous avoir ainsi concocté un casque hybride. Si le Quest 2 Pro pouvait sortir avec un DisplayPort, eh ben ce serait pas de refus. Allez, on quitte. Yes. On va se mettre au montage.